Bon, bah voilà, nous revoici pour l'épisode 6. Donc nous sommes toujours dans le fameux tunnel où on a échappé au flic de l'épisode 5. À l'abri de la police et des autres joueurs. Ouais, vous embêtez. Hein. Donc, on va attendre que Simon nous appelle. Simon va nous appeler dans quelques temps, je pense. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par avancer en fait. Oui, près d'un Los Santos Custom. Voilà. Parce qu'en fait, on peut aller au Los Santos Custom en passant par les tunnels du métro. Il y a une sortie qui n'est pas pour nous. Et du coup, on n'est pas poursuivi ni par les coups, ni par les joueurs. Et il y a surtout le tunnel. Enfin, ça nous mène à un endroit pas très très loin. Alors, ça nous emmène vraiment à côté du Los Santos. Et même s'il y a des joueurs pas loin du Los Santos, on y arrive tellement vite qu'ils n'ont même pas le temps de nous lutter. Voilà. Donc là, en parlant de l'ici. Voilà. On a un peu de only with a very inadequate sense of style. Maybe you should improve yourself with a fine car. I've got a friend at Los Santos Customs who can help you out, for sure. Donc là, on va aller dans Los Santos Customs, donc en fait, on va passer par là, donc au moins comme ça, les joueurs, ils nous voient pas. Bah en fait, ouais, ils nous voient sur la map, mais ils ne savent pas où on est. Parce qu'il y en a plein qui ont l'impression qu'on est sur une route qui est au-dessus, mais en fait non, on est... Ouais, ou dans le ciel, parce que des fois ils nous voient passer au travers et ils se pensent qu'on est en hauteur. En fait. Alors qu'on est dans le futur. Voilà. Et puis là, la sortie que je vais prendre, il y a plusieurs sorties, hein. Il y en a trois au total, quatre sur le demi-tour. Et il y a une sortie qui amène directement à Los Santos Custom, quasiment à 100 mètres. Donc c'est celle-là qu'on va prendre. Enfin bon, c'est... quand même pas à côté, mais au moins bah comme ça vous voyez quand même les souterrains. Voilà, alors au moins vous êtes en sécurité, on vous pique en votre voiture, on va pas vous tuer. C'est marrant, j'ai l'impression que tu peux tourner. Je crois que c'est la même chose aussi. Bah oui, on a l'impression de tourner un petit peu en rond, on a fait un peu comme ça. Je sais pas, parce que les décors c'est tout le voilà, temps. Il y a deux joueurs là qui doivent se demander où je suis. Ils m'ont dit pas trop comme ça. On arrive donc au passage secret. Alors là, on peut aller tout droit ou alors passer par là. Voilà, donc là, comme tu vas donner au Los Santos. Et ici, pas loin, on a encore un autre passage secret. En tout cas, j'espère que cette série vous plaira, mais évidemment, bah oui, pas à le faire savoir en commentaire. Vous suivrez les aventures. Voilà, donc un petit j'aime. Ici, on a un passage à droite. Voilà, et qui nous emmène donc en fait à un autre métro. Mais c'est pas là qu'on va passer. Pour éviter, parce que nous, nous sommes tous custom. Voilà, nous, on va passer à gauche pour aller donc en fait au canal où il y a une course qui s'appelle Vidange. Et on va arriver là. Et juste à côté, il y a la voie ferrée, une autre voie ferrée, qui nous emmène au Los Santos. Donc là, on va s'y rendre. Hein. Hop. Donc on va arriver à la sortie. Là, en plus, il n'y a personne. Donc là, une fois qu'on arrive ici, vous allez à droite, normalement, voilà. Ensuite, tu vas aller sur la voie ferrée qui est plus loin. Quand tu lags. Ouais, là, le jeu a lagué, du coup, ça m'a fait un peu n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a ? J'arrive ! Donc là, on arrive sur la voie ferrée. Et on va aller au Los Santos Custom. C'est juste à côté. Là, il se trouve qu'on a du bol et personne qui prennent le temps. Et même s'il y avait quelqu'un, vu qu'on arrive derrière, bah, on est tranquille parce qu'ils n'ont pas le temps d'agir. Donc là, nous, comme on voulait garder cette voiture, c'est pour ça qu'on est allé avec, mais ouais. Vous pouvez prendre n'importe quelle voiture, enfin, sauf celles qui sont à plus de 50 000 $. C'est juste ça. C'est-à-dire, par exemple, une Banshee,
Une Bugatti Veyron, là, ça, celle-là, on peut pas. Voilà, donc on a fait juste une légère petite pause parce que voilà, on a des soucis. Donc là, on a donc sauvé notre voiture. Plus personne ne peut nous la prendre. Et ce qu'on va faire maintenant, bah, on va la tuner gratuitement. Alors, sauf le moteur. Le moteur, normalement, on peut pas le tuner. Mais comme j'ai gagné la première course, j'ai le droit de faire une programmation niveau 1. Voilà, donc on va le faire. Hein, vu qu'on va c'est payant, mais voilà, oui, on a même plus que ça. Bah, on a 19 000 à peu près. Voilà, donc ensuite, alors ça on peut rien faire, ça non plus, ça c'est gratuit. On le prend, bien évidemment, parce que là c'est pour. Là, désormais on peut plus nous détruire notre voiture, enfin on peut rien détruire, mais on voilà, on la gardera quand même. La plaque c'est gratuit, voilà. La peinture, bah, on est obligé de la faire, et nous de toute façon on voulait la faire en noir. On va faire une métallisée, puisque de toute façon on fait quoi hein. Noir. Ouais, vas-y, noir. Vas-y. Allez, noir. Noir, ça sera bien. De toute façon, après, on aura même nacré, puisqu'on paye pas. Ah, bah, même nacré, qu'est-ce qu'il pourrait être dire? Un acier foncé, ou noir, parce que là, elle est en argent béton, on peut la noircir plus, tu vois, comme ça, regarde. Vas-y, ce sera bien. Ça sera vraiment noir, là. Voilà. Ensuite, ça, on peut pas. Transmission, on peut pas, ça non plus. Ça, on peut. Donc, les jambes. On va mettre du haut de gamme et on va mettre ces roues-là. Non, celle-là, voilà. Ça lui va bien. Les blades. On peut les peindre. Donc on va les mettre en noir. Hein. Voilà, ce sera plus joli. Après, les pneus, on va rien faire. Si, la fumée, oui, effectivement. On peut mettre de la fumée. Attends, il est déjà. Vert. Ah non, c'est mauve. Voilà. C'est ouais. Un délire. On va faire un petit vernis. C'est gratuit. Après. On peut pas. Voilà. Voilà. Donc là, c'est bon. On a sauvé notre voiture. On l'a tunée. Comme on pouvait. On va sortir de Los Santos. On va sortir de Los Santos et ce sera la fin de cet épisode. On va juste vous montrer ce que ça fait la fumée. Oui, histoire de voir ce que ça et fait. Et après, bon, on va se laisser là. Et pour après, on verra aussi ce que ça fait derrière l'hôtel. Ils vont se quitter. Ouais. Bon, en tout cas, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner, puis à laisser un commentaire. Hein. Voilà, et puis le prochain épisode, ce sera l'extermination. On va aussi leur montrer ce que ça fait l'hôtel, donc vas-y. Ouais. Bon bah, à plus tard. À bientôt.